Hey, bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les amis, c'est parti pour l'épisode numéro 5 de Spider-Man sur PS4. Et oui, je sais, j'ai mis énormément de temps, on va pas tomber dans la flotte, à vous faire les autres vidéos, mais j'ai eu pas mal de gros problèmes perso. C'est pas tout à fait réglé, hein, pour être honnête, mais j'avais très envie de vous faire une vidéo et il faut passer par derrière. Ok, par la fenêtre. On va continuer, allez. Merci Spidey. Donc ouais, j'avais très envie de vous faire une petite vidéo et chargement. Ok, on y est. Je me croirais dans un film d'horreur. Je vais me retrouver face à des pêcheurs maudits avec des crochets à la place des mains. Et par contre, ouais, vous le voyez, j'ai mis le costume de Spider-Man Homecoming qui paraît un peu violet ici. C'est la lumière. Alors, il faut qu'on descende et je pense que je vais tourner 3-4 vidéos à la suite de je ne sais pas combien de minutes, mais laisse-moi parler. Pour éviter les blagues à base de toc toc. Je vous remercie. Vous voyez une boîte de raccordement qui alimente la porte? Ouais, je m'en occupe! Si on peut la faire disjoncter, la porte devrait s'ouvrir! Bien vu! Malheureusement, j'ai rien qui soit assez puissant. Essayez ça! Un pistolet Quoi? À impulsion électrique? Il m'a envoyé un taser. Les condensateurs vont me permettre d'améliorer ma... Il m'a envoyé un taser, ok. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ah, on fabrique des objets, ça me fait penser à Batman Arkham City. Quand Batman récupère le truc à impulsion électrique dans la Syrie. Alors, on choisit, je pense, le truc électrique. Ah, c'est déjà pris, ok. J'adore ces toiles électriques. Fan de gadgets, hein. Vous me rappelez mon fils. À 5 ans, il démontait déjà la télé. Aujourd'hui, il débloque les téléphones de ses amis. Il pourrait peut-être m'apprendre quelques trucs. Ok. Rien d'illégal à première vue. C'est un peu décevant, non? À première vue. Regardons de plus près. On cherche quelque chose en particulier? Ça fait un bail que ce chantier existe. Dans le temps, il servait à la contrebande. Je vois. C'est le genre à avoir des salles secrètes. Écoutez, vous trouvez pas que ça sonne creux? Waouh. Non, franchement, le costume de Spider-Man Homecoming est super bien, super beau. Par contre, j'en ai un autre aussi que j'aimerais débloquer, c'est le costume de Scarlet Spider. De quoi? On va suivre le conduit, ouais. Cavale, Spider-Man, cavale! Et par contre, ouais, hein, j'ai bien lu tous vos conseils en commentaire. Non, ça ne doit pas être la bonne boîte. Cherchez encore. Ok, donc c'est pas ici, vas-y monte. Et c'est ici. Est-ce que je peux t'atteindre? Je pense. Merci. Je n'aurais jamais pu l'ouvrir tout seul. Eh, je n'aurais sans doute pas trouvé sans vous. On a un bon gros rien. Une salle secrète peut en cacher une autre. Vous ne remarquez rien par terre? Ils peuvent dissimuler les portes, mais pas les marques qu'elles laissent. Cherchez bien, il doit y en avoir d'autres. Ok, donc on doit chercher d'autres marques sur le sol. Et par contre, je pense que vous l'avez compris aussi. Hein. Le Black, c'est bien le père de... On verra ça après, je pense. Alors, what the fuck, c'est quoi ça? Maintenant que jackpot. Des marques, pas de porte. Je suis allé ici par hasard et c'est pile le bon endroit. Super. Ok. J'arrive. Ou pas. L'ascenseur est HS. Bougez pas, je vous fais monter. Ah, t'es là! Je n'avais pas vu, super génial. On va cavaler. Et comment je te fais monter? Comme ça, tout simplement. Allez, ramène ton boule. Engrenage rouillé et gros rat dégueu. Et comment tu vas passer? Le pont est détruit. Ça va aller. Waouh! Le beau gosse. Belle réception et tout. On n'est pas tous des gouffres à donuts. Je vois ça. Encore une porte secrète. Je m'occupe du verrou. Dites-moi quand vous trouvez la boîte de raccordement. La boîte de raccordement... tout en haut. Et c'est ici. Mais ouais. Dans le mille. Ni plus ni moins. Hey, vous voyez ça? Rien. Je commence à me demander si c'est pas un coup de fisc pour m'embêter. Regardez les murs. Il y avait des armes stockées ici. Ils n'ont pas pu les faire sortir par l'avant.
Il y a forcément un passage quelque part. Regardez le mur. Ça contrôle peut-être l'accès à une autre zone. Les hommes de Fisk parlaient d'une chambre forte. On est peut-être pas loin ? Il y a des chances. On dirait un double circuit. Essayez de trouver une deuxième boîte de raccordement. Une autre boîte de raccordement. Ok, on va passer par là. Est-ce que c'est ça ? Trouvé ! Il y a l'ascenseur. Ouais. Défonce-moi ça. Là. Bien vu, Jeff. Une porte cachée. Génial. Vous voulez bien m'aider ? Ce truc est lourd. Ouais, pousse-toi, je vais le faire. Oh, attendez. On va monter ici. C'est lourd, hein ? Hein, c'est lourd. Alors. Mince ! Je me suis trompé de touche. 1, 2, 3. Hein ? C'est pas flippant du tout. Sans doute un ancien tunnel de contrebande. Et a priori, personne n'a fait le ménage depuis Al Capone. Un bloc de béton bouche le passage. Je peux pas passer. Mais non, mais franchement, ce costume est magnifique. Alors, on va monter sur les murs. Ouais, c'est ça. Waouh. Je peux passer par ici. Comment c'est hyper réactif. C'était quoi ça? Le métro, peut-être. Dépêchons-nous. Les murs sont métro. What? Ok, ok, c'était clairement pas le métro. Non, on aurait dit des explosifs. C'est le son que font les démons. La chambre forte, vite. Allez, dépêchez. C'est pas vrai, les démons sont déjà passés. Comment c'est possible? Il doit y avoir une porte de service. Y'a personne? Essayez de la trouver. Ça? Ça, c'est de l'armurerie. Non? Où ça l'était? Oh. Y'a des caisses vides ici. Et ils ont apparemment emporté les autres. Mais c'est une porte, ça. Là, mais oui. Ils ont fait sauter les verrous pour entrer. Chut. Des démons. Restez là. Sûrement pas. À deux, on pourra les arrêter. Sans parler de cela. Ils s'en vont. On y va. Allez. À couvert. Bon, et bien les potes, c'est parti. C'est parti, on a dit. Bien joué. Allez, toi, on t'enchaîne bien. J'ai le truc électrique, c'est nickel. Par contre, ouais, faut bien que j'esquive. On en était où? Attendez, on va prendre la portière. Toi, dégage. Et toi? Il y a un mec qui est armé au-dessus. Il va falloir que je le défonce aussi. Comment faire? Comment faire? Eh bien, comme ça. Et toi, dégage. T'es mort? Mais oui. T'es décédé, enfin décédé, vous m'avez compris. Oh, il y en a un autre en face. Hop là, parfait. Et on s'enchaîne en l'air. C'était magnifique. Et donc, maintenant, il y en a un autre. Allez. Non, tu m'as pas touché, c'est pas vrai, j'étais en train de te taper. C'était quoi ça? Cette lame qui tombe à pic. Oh yeah. Attendez. Le petit truc. Non, je t'ai loupé. Ah, c'est moche. Ah non, c'est le flic. Mais oui. Moi non plus, je suis pas tout seul. Allez. Et c'est fini. On a bien géré. Et par contre, il faut que j'arrête de crier dans le micro. En plus, j'ai enlevé mon anti-pop. Attendez, je voudrais faire un truc. Non, c'est pas ça. C'est ça, c'est prendre le drone. Et je veux m'attaquer à toi. J'ai pris le drone ou pas? Oh, allez! Sur un bouclier, c'était nickel. On a fait une petite esquive sympathique. Sur toi, sur toi, sur toi, sur toi, sur toi. Viens par là. Oh yeah. Et il en reste combien? Mais non, pas sur ça. Il y a un mec ici, Spidey. Non, ici. Voilà. Et on a fini. Je pense. Mais oui.
Quoi? Stop! Ça va? Partez! Pour un top. Oh là là, et ça s'arrête pas. Ça, c'est beau. Si je perds deux camions de méchants armés dans la même journée, je jette l'étoile. Allez, on se concentre, on va bien jouer. On n'est pas très loin en plus. Tu vas où? Par contre, le système de balancement est magnifique. J'essaie de suivre vos conseils. Vous voulez que je fasse des petits sauts en plein saut de toile, hein. Que j'appuie sur... Oh, c'était ici, mince. Donc ouais, que j'appuie sur croix quand je suis en haut de mon saut. Comme ça, on fait des trucs magnifiques. Faut que j'arrête de dire magnifique, c'est chiant. C'est chiant, GG. Mais je me concentre. Pas beaucoup mieux. Ces types sont des dangers. Si je les arrête pas, ils vont finir par tuer quelqu'un. Rejoins dès que je peux. Non. Soyez prudent, Jeff. J'étais en train d'écouter ce qu'il me disait. Donc, on était en train de dire que le jeu était en train de me troller. Triangle. Oui. Ok, on est bien. Donc, hop. Oh. Ramène-toi. Toi, ramène-toi aussi. On va aller devant. Et toi, ramène-toi. Oh, wow, cinématique. Holy shit. Ah, c'est à moi de jouer. Génial, la ligne 3. Allez, c'est encore à moi de jouer. Allez. Allez. Nous savons à présent que le policier s'appelle Jefferson Davis. Les médecins ont déclaré qu'il souffrait de blessures superficielles qui seront sans séquelles. Pardon, mademoiselle. Vous avez le droit d'être ici? Plus que toi. Après l'histoire de la salle d'enchères, le Bugle m'a mis sur les affaires criminelles. Ce qui veut dire que je peux bosser à temps plein là-dessus et sur les démons. Tu sais que plus tu t'approches d'eux et plus tu cours de risques. Plus je m'approche d'eux, plus nos chances de les arrêter sont bonnes. Nos chances? Agent Davis, Mary Jane Watson, du Daily Bugle. Pas de commentaire. Je vous comprends. Mais ils raconteront leur version, que vous le vouliez ou non, et ces gens raffolent de la polémique. Et vous, vous cherchez quoi? Je ne cherche rien. J'écoute seulement. Ok. Allez, montez. Ah, elle est douée, hein? Elle est douée, mademoiselle Mary Jane. Alors, affaire à tiroir. Ça, c'est fait. Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait directement la mission principale ou pas? Dormir un peu. Ouais, attendez, j'aimerais bien juste faire un truc, c'est... Allez, laissez-moi jouer. Un point de compétence, ok. Je veux aller activer la tour. What? Bon, ok, on va faire un voyage rapide, et juste après, on fera les tours et les missions secondaires, un petit peu. Peut-être que je ferai ça en off, on verra bien. Allez, on y est. On va rentrer chez nous, enfin. Après, je ne sais pas combien de temps à être dehors, à combattre les méchants, on rentre enfin chez nous. «
Il a complètement défoncé la porte et je vais éternuer. Pardon. Empire Sanitation, Eddie, j'écoute. Oui, bonjour. J'essaie de retrouver plusieurs objets qui ont été collectés par erreur dans la benne qui se trouve en bas de mon appartement. Numéro de la benne ? Oui, un instant. Euh, 6, 4, 4, 7, 6. C'est la ligne 33, le camion est déjà parti. Si vos objets sont pas là, on peut rien faire. Non, attendez, s'il vous plaît, c'est très important. Est-ce que vous pouvez me dire où est le camion ? Je regarde ça. Voilà, normalement il devrait être au garage municipal sur Bowery et Grand. Super, merci Eddie. Garage municipal, Bowery et Grand, pas de problème. Sérieux, Spider-Man n'a plus ses affaires, enfin Peter Parker. Si je perds tout le reste. Et ça va être à la poubelle ? Génial. Juste avant, on va pas faire un petit peu d'amélioration ? Attendez, dans compétences, dans tisseur de toile, on prend... C'est quoi ça ? Ok, c'est déjà pas mal. Disque dur dans un camion poubelle de 30 tonnes. Putain, mais grave, il faut qu'on trouve un disque dur dans une énorme benne. J'ai des années de recherche sur ce disque. Tout mon travail depuis le lycée. Mais par contre, ouais, vous parlez beaucoup, moi je peux pas en placer une. Donc ouais, franchement, pour l'instant, le scénario me semble plutôt pas trop dégueulasse. Comme je disais dans l'épisode numéro 4 ou 3, je sais plus. Il y en a beaucoup qui gueulaient sur la gueule du scénario. Moi, j'aime plutôt bien. Ça a l'air pas mal. Et est-ce que j'ai pris les figures ? Je ne sais plus ce que j'ai pris en compétence. Et bien sûr, c'est fermé. Au cas où quelqu'un voudrait putain, voler mais franchement, des franchement, on est vraiment un gros loser. Autre accès. Où ça ? Ici. Parfait. C'est pas vraiment une effraction si je casse rien. Si ? Ok, pas de panique. Ils n'ont peut-être pas encore jeté les ordures. Ouais, ça m'étonnerait, hein. Nada. Je sens que ça va être une grosse merde pour récupérer ce disque dur. Un bébé disque dur et on va mettre 10 ans. Wow. On se casse. Est-ce qu'il est possible que le camion ne soit pas au garage ? Oui, peut-être. Ça voudrait dire qu'il est quelque part à Chinatown West. Super. J'y vais direct. Hé, hey, ça vaut ce que ça vaut. Mais les gars se prennent parfois une pizza avant de décharger. C'est vrai ? Je vais vérifier les pizzerias alors. Vous savez laquelle ? Un petit truc indépendant, je crois. Thierry ? Non, ça c'est dans le centre. L'adresse originale, je veux dire. Ah ! Ouais. Non, ça commence par un L, je crois. Larry ? Larry, c'est dans les sailles. Je crois que je vois les camions. Merci, Eddie. Ok, les camions doivent pas être loin. Non, c'est pas là. Il doit y avoir un autre camion dans le coin. Il y a un autre camion ? Pardon, ah, ici. Je t'avais pas vu. Est-ce qu'on a fini ? Est-ce que c'est fait ? Aucun signe de mes affaires. Oh, et quelle odeur intéressante. J'étais en train de dire, est-ce qu'on a enfin ce disque dur ? Je crois que ça a coupé. Pas là non plus. Eh bien non. Vous êtes sûr qu'ils étaient ici ? Bah les gars, on peut-être changer d'itinéraire à cause du meeting d'Osborne. Si votre collecte était sur la ligne 35, ils doivent être à l'incinérateur maintenant. L'incinérateur ? Du côté du pont de Manhattan. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous, mais ouais, heureusement qu'on est en Spider-Man, sinon on mettrait 10 ans. Petite figure. Wouhou ! C'est génial. Dépêche-toi. Je veux faire ça. Voilà. Voilà la c'est ça qu'on voulait voir. J'espère que j'arrive à temps. Oh oh, ça sent les ennuis. What ? Oh ! J'avais pas vu. J'avais pas vu. Hop. Toi, dégage aussi. Non ! J'ai dit que t'allais dégager mon gars. Et c'est fini. Concentration pleine. Merci Spider-Man. Mais de rien. Vous allez bien ? Ouais, merci. Ça fait 2 jours que ce gang sème la terreur dans tout le quartier. Il y en a sûrement d'autres qui vont débarquer. Très bien, je vais ouvrir l'œil. Dites, ça vous dérange si je fouille un peu ? Pour des trucs perso ? Non, non, allez-y. Je vais remplir un rapport d'incident. Ça vous dérange si je fouille les poubelles ? Il y a quelque chose ici. Je dois me débarrasser de ces sacs. Je crois que c'est ça. Mais y a rien. Ah si, c'est le sac en dessous. Ok.
Allez, sois ici, sois ici. Oui. J'espère qu'il marche encore. Oh, on dirait que tout est là. Hé, hey, il y a un vieux prototype de gadget. Il est trop cool. Pourquoi je l'ai jamais terminé? Je crois que je peux le faire marcher. Ah, ce sont les bombes de toile! On a enfin les bombes de toile et il nous manque deux objets encore. Mais ça va assez vite. Ouais. Ok, on a les bombes. Et qu'est-ce qu'on en fait? Regarde, c'est le type qui se prend. On va l'utiliser, bien sûr! Oh non. Tuez-le! Alors, comment on fait? L1. On prend les bombes. R1. Oh là là, mais c'est trop bien. Toi, reste collé au mur. Oui! Oh là là, j'ai cru que j'allais me faire taper. Concentration pleine, sur toi. Aïe aïe aïe. Hop. Allez, toi, colle au camion poubelle. Oh, c'est trop beau. Et toi, dégage. Mais c'est trop bien fait. Bon, cette nuit se passe pas exactement comme prévu. Où est-ce que je vais dormir? Je pourrais demander à MJ. Ah, cette brochette. Cette brochette de méchant. Allez, on avance. Ok. Comment je vais convaincre MJ de me laisser son canapé? Alors, voyons. Salut MJ, c'est Peter. Tu crois que je pourrais dormir chez toi ce... Oh non, c'est trop formel. MJ! Hey, je passais dans le quartier et... Oh, c'est nul. Hey MJ, puisqu'on se reparle, je me suis dit que... Ouais, ok, là c'est carrément pathétique. Ah, pourquoi j'en fais toute une histoire? On est amis, non? C'est normal de squatter le canapé d'une amie. Pas bizarre du tout. C'est qu'un canapé. Le canapé d'MJ. Surtout quand ton ami est ton ex. Ça se fait parfaitement. Allez, on y est. Alors. J'ai reçu un message. On dirait que l'article d'MJ a été publié. Je trouverai un autre endroit pour dormir. Elle doit avoir du travail. Si seulement Harry était ici, je pourrais aller chez lui. Mais Peter Parker est un gros profiteur. C'est un truc de fou. En même temps, il a plus d'appart. Ça se comprend. Niveau 10. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va peut-être activer la tour, histoire de voir tout ce qu'on a à faire. What? Je t'ai manqué. Viens à cette adresse. Attrape-moi si tu peux. Oh non. Je connais cette voix. Alors attendez, le truc de la chatte noire, comment on y va? On y va maintenant? C'est ça l'objectif principal ou pas? Mais en tout cas, les nuits de Peter Parker sont vraiment super fournies. Hein, le gars n'a pas le temps de se faire chier. Oh mais qu'est-ce que c'est beau. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, quel est votre costume préféré. Perso, j'attends vraiment de pouvoir débloquer celui-ci. Qui est juste là, là. Oh là là, mon dieu, mais qu'est-ce que tu es beau. Qu'est-ce que c'est magnifique. Doc a laissé un message. Peter, j'y suis peut-être allé un peu vite en te conseillant de te trouver un nouveau travail. J'ai une piste. Laisse-moi un peu de temps. Notre carrière d'inventeur pourrait bien rebondir. L'inébranlable Otto Octavius. Super nouvelle, pourvu que ce soit une bonne piste. Sérieux, c'est quoi ce truc? C'est Jonah Jameson. Ok, tout va bien. Et non, mais tu étais, tu y étais. Coucou Spidey. Coucou Spidey. Je pense souvent à toi en ce moment. On était bien tous les deux, non? Ça pourrait être sympa de raviver la flamme. Ah là là. Quel tombeur ce Spider-Man. Pas qu'elle fait du repérage. Elle m'avait promis de changer de vie. Qu'est-ce qu'elle regardait? Sûrement Jonah Jameson. Est-ce qu'il y a quelque chose d'inhabituel? Il y a la chatte noire. On voit la chatte noire. Là. Et il y a un petit chat. Ah, c'est ça. C'est l'un de ces chats.
Ils contiennent des amplificateurs qui enregistrent les signaux RFID aux alentours. Je vais dire à Yuri de passer le récupérer. Félicia est trop futée pour se mettre en danger comme ça. Ah, il y en a plein partout. Elle doit avoir des problèmes. Mieux vaut rester vigilant. Donc ouais, ça, je pense qu'on le fera. Hein. Il faut absolument le faire. Nouvelle tenue dispo ? What ? Le costume et l'équipement de Black Cat sont toujours dans votre salle décellée ? Je crois, oui. Pourquoi ? Elle a rempilé ? Peut-être. Vous pouvez vérifier que ces affaires sont toujours chez vous ? Pas de problème. Donc ouais, on va faire tout ce qui est Black Cat. Je sais pas quand est-ce qu'on va le faire, par contre. Oh, y'a Tante May. J'aimerais parler. Ah, c'est vrai. Ah oui, j'ai zappé, désolé. J'ai eu une sale journée. On a perdu le financement du labo. Oh, Peter, je suis désolé. Et en plus, j'ai aussi été expulsé de mon appartement. Quoi ? Et tu as un endroit où dormir cette nuit ? Bah, à vrai dire, non. Pas vraiment. Ça m'embête un peu, mais t'aurais pas une chambre pour moi au refuge ? Bien sûr. Tu peux utiliser le canapé de mon bureau. Merci, Tante May. On va profiter du refuge, mais non ! Mais c'est moche ! On est vraiment dans la grosse merde. Waouh, ça fait de la peine. Le sac était dans le coin. Où est-ce que tu es ? Tu es tout en haut ! J'y étais ! Et vous m'avez dit d'appuyer sur triangle une fois qu'on était... une fois qu'on prenait le sac. On va voir ce que ça fait. Alors... La boutonnière du bal de fin d'année ? Ou ce qu'il en reste après avoir affronté Fisk ? C'est pas mal, c'est vrai que j'aurais dû appuyer sur triangle bien avant. Oh, il y a un truc à faire avec Chat Noir. On a un autre petit chat. C'est où ? C'est ici. On va le faire vite fait et après on fera la mission principale. Cat. Pas d'inquiétude. Jaloux que je rende visite à un autre homme ? J'espère bien. Mais tu sais que les bad boys, c'est pas mon truc. C'est une chaudasse. C'est une chaudasse. C'est par là. Ok, je t'ai vu. Et voilà. Pourquoi tu fais ça, Félicia ? Tu sais que ah, je vais cette finir petite par musique. Tum 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 tum. Et par contre, ouais, normalement, j'ai eu le DLC avec l'édition collector, hein, si je dis pas n'importe quoi. Il y en a 12. Il y en a vraiment 12. Hop là, parfait. Petite photo en passant. Donc on est à 200 mètres, j'étais en train de vous parler mais je pense que je vais couper tout ce que j'ai dû au montage. C'était pas super intéressant et là j'ai oublié de sauter. Ok, voilà. Et on est arrivé au refuge. Alors. C'est dingue, j'ai pas dormi depuis l'arrestation de Fisk. Je devrais faire un peu plus attention à ma santé. Putain, mais grave, le gars n'a pas dormi depuis Fisk. Et j'ai sorti ma première vidéo, c'était le jour de la sortie du jeu. Donc imaginez, ça fait presque un mois que le mec n'a pas dormi. Ok, je suis en train de raconter de la merde. Par contre, Tante May, c'est de l'autre côté. J'espère que le canapé est confortable. Je peux pas accepter. Tu le peux et tu le dois. Je te rembourserai. Bientôt. Demande de l'aide la prochaine fois. Oh, tu ressembles tellement à Ben. Apprends à ravaler la fierté des Parker et accepte d'être un humain. Il n'y a pas de honte. Martin. Pardon de vous interrompre. Je voulais simplement vous dire que je dois m'absenter. Je vous laisse les rênes en mon absence. Oui, vous pouvez compter sur moi. Vous partez pour combien de temps ? Je ne sais pas vraiment. Est-ce qu'il y a un problème ? Ce sont juste des affaires personnelles que je veux régler depuis longtemps. Mais prenez bien soin de cet endroit. Il représente vraiment ce qu'il y a de mieux en moi. Eh bien, il est temps de me mettre au travail.
Mais attendez, enlevez-moi d'un doute. On est d'accord, Mister Négatif, c'est que... Bon, il faut que je me taise, ou pas. Mais si, voilà, il y a un appel, je ne peux pas parler. T'as vu mon article? Je ne peux pas parler. Robbie doit être mais sur oui, je ne peux pas parler, il faut que je me taise. Ouais, c'est devenu viral. Et devine quoi, Osborn, le maire, vient d'annoncer qu'il allait remettre une médaille à l'agent Davis, cet après-midi. Wow. Eh hey, mais, le meeting de campagne d'Osborn, c'est pas cet après... Ah, ah oui, ça y est, je comprends, ouais. Ouais, c'est flagrant. Mais ça reste un moment sympa pour l'agent Davis et sa famille. Je couvre l'événement. Est-ce que tu veux venir? Ouais, avec plaisir. À tout à l'heure. Donc ouais, j'étais en train de dire qu'on est d'accord, Mister Négative. C'est un peu les mêmes pouvoirs que... Enfin, pas les mêmes pouvoirs, mais la même... le même pouvoir négatif. Je sais pas comment dire ça que la cape et l'épée, non? On est d'accord ou pas? J'ai un vieux trou de mémoire, je ne sais plus. Alors, on doit explorer la ville. Je ne sais pas du tout si je vais vous faire ça... maintenant ou pas. On va voir, attendez, qu'est-ce qu'on a? On a un petit sac à dos, on va en récupérer. En fait, j'aimerais vraiment débloquer le costume de Scarlet Spider. Waouh, waouh, waouh. On va faire des figures. Le petit Sanctum Sanctorum de Strange. Alors, où est-ce qu'on va? On va déjà faire. Ouais. Un nouveau message de Doc? Peter, sans vouloir nous porter la poisse, non seulement ma piste pourrait bien relancer notre projet, mais aussi lui donner une ampleur qu'on n'avait pas encore imaginée. Rien n'arrive par hasard. Même Norman qui nous coupe les vivres. J'espère vraiment que ça va marcher. Hé, hey, ce sont les gants isolants que j'avais utilisés pour mon premier combat contre Electro. D'accord. Et je crois qu'on a coupé Docteur Octopus. Ouais, tant pis. Enfin, Docteur Octavius, hein. Pas encore Docteur Octopus. Il y a pas notre sac à dos. Par contre, ouais, y a un crime. Est-ce qu'on fait ces crimes en vidéo ou pas? J'en sais rien. J'ai pas envie que ce soit trop chiant non plus. Mais what? J'y étais, j'étais bien là. Et bien sûr, il me tire dessus, j'adore. Triangle! Mais fais putain de triangle! Voilà, triangle! Ok, on est bien. Allez, dégage. Toi de l'autre côté aussi. Allez, non, non, non. Est-ce qu'il y en a d'autres? Par là. Allez, full camp et... C'est trop bien fait! J'ai peur que ce soit trop répétitif par contre. On est bien. Et il y a un autre truc ici. Mais ça ne s'arrête jamais. Et ça c'est plutôt pas mal. Prends ta portière. Mange la bouche d'égout. Et reste au sol. Et c'est pas fini. T'étais pas mort toi? Comment ça? Eh bien mon gars, dégage. Il me manque un jeton de crime, donc je pense qu'on va faire un petit crime, histoire de changer de costume. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je change aussi de costume dans le prochain épisode, que je remette le Homecoming ou pas. J'ai moins peur d'un camion rempli de démons que de devoir parler en public. Mais c'est pas pour ça que j'appelle. Pas de neuf? Il paraît que des démons s'agitent du côté du chantier de Fisk dans le centre. Ma femme risque de me tuer si je loupe la cérémonie pour aller jouer aux gendarmes et aux voleurs. Alors je me disais que ça pourrait intéresser un certain justicier. Compris. J'y passerai. Et je vous dirai ce que je trouve. Oh, et une astuce pour les discours. Imaginez tout le monde en sous-vêtements. Enfin, sauf Osborn. Bon, en fait, laissez tomber. Tu es bizarre, Spider-Man. Tu es très très bizarre. Bonjour les gens. Je peux pas laisser faire ça. Je suis pas un grand fan de l'industrie pharmaceutique. Surtout dans les petites ruelles. Oui. On assure. On assure. Ils vont se casser avec une voiture. Je vais les perdre. Il faut que je me dépêche. Non. Vous êtes parti où? Vous êtes parti où? 60 mètres. Ok, enfin. Des amortisseurs, allez.
Toi de l'autre côté. Allez, dégage. Et comme tout à l'heure, donc ouais, ça va être un petit peu répétitif, hein, j'en ai bien peur. Et normalement, on a un jeton de crime. Le trafic de drogue est peut-être le crime que je déteste le plus. Et donc, on peut prendre cette tenue de Scarlet Spider. Heh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